Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, bienvenue pendant l'épisode sur Starfield. Donc on continue l'émission pour Ryujin, donc alors on devait parler à Dalton Fins. Bon, allez, où la sortie? Par là. L'avenir de mon entreprise. Restez hors de mon chemin, je resterai en dehors du vôtre. Ah, il est là. Parfait. Vous voilà. Grâce à vos actions sur Sidonia, j'ai appris que l'un des nôtres avait transmis des informations sur le projet Domination à nos adversaires d'Infinity LTD. Si nous avons une taupe parmi nous, c'est que j'ai échoué quelque part. Nous lançons la directive de sécurité Theta, qui implique une inspection de tous les employés, y compris Masako et moi-même. D'accord. Ça n'a pas l'air d'être une bonne affaire pour vous. C'est un manquement de ma part, assurément. Mais l'important, c'est que je répare ma faute. Seulement, il y a un cas particulier. Celui d'Ularuchen. La directive Theta prévoit qu'elle soit investiguée par un programmeur spécialisé du nom de Nix. Mais il aura besoin de votre aide pour une mission inhabituelle. Nix est une source fiable. Confier cette enquête à une tierce partie est trop risqué. Pourquoi c'est un cas particulier déjà? Ularu a le pouvoir de s'opposer à toute investigation. Il est donc impératif qu'elle ne sache rien de cette directive. En tant que directrice des opérations, ses connaissances et ses talents lui permettent de se soustraire mieux que quiconque à toute détection. Donc, on ne raisonne pas en termes de confiance, mais plutôt d'avantages, et dans le cas présent, de bénéfices mutuels. Nix vous remettra un programme à exécuter sur l'ordinateur d'Ularu, qui extraira toutes les informations nécessaires pour prouver sa culpabilité ou son innocence. D'accord. Votre mission consistera à infiltrer anonymement la tour Ryujin pour exécuter ce programme, dans le secret le plus total. Ce qui signifie que votre carte d'accès sera désactivée et que les agents de sécurité considéreront votre présence comme une intrusion. D'accord. Nous avons plus de 100 personnes dans l'équipe qui tournent entre les bureaux et les plages horaires. On pourrait vous reconnaître, mais mes ordres resteront stricts. L'accès est réservé aux membres de la sécurité, et vous ne remplissez pas les conditions. Ce qui fait de vous un suspect prioritaire. D'accord, bon. Allez. Tant mieux si vous trouvez ça amusant. De mon côté, je veillerai à ce que tous les employés non essentiels, y compris Ularu, aient quitté les lieux. Je prétexterai une maintenance de routine. Pendant ce temps, je débloquerai l'accès au système de ventilation. Le système de ventilation, d'accord. Vous pourrez l'utiliser pour ne pas vous faire repérer. Je vous remets également un disrupteur qui devrait vous aider à éviter les incidents fâcheux, dans le pire des cas. C'est quoi un disrupteur? Ça m'inquiète pas mal que vous ne sachiez pas. Un disrupteur est une arme non létale. Notre filiale Arboron conçoit des excellents. Je vais vous en remettre un. Il vous permettra d'assommer votre cible et de prendre la fuite. Mais les effets se dissipent au bout d'un certain temps. Je ferai attention à ce que votre subalterne ne fasse pas de crise de violence injustifiée. Bien. Personne ne doit être au courant, pas même nos propres gardes. La furtivité sera votre plus grand atout. En fait, bien que j'apprécie les paroles de votre camarade, vous feriez peut-être mieux d'y aller en solo. Toutes les précautions limitant les risques doivent être prises. Nix vous attendra chez Madame Sauvage.
Il sait déjà que la directive Theta a été déclenchée. D'accord. Bon. J'attends ici depuis des lustres. Allons chez Madame Sauvage. Je vais y aller tout seul. Bon, voilà. Comment ça va? Prenez votre temps. Allez. Cet endroit est ma deuxième maison. Ah, il est là. Je quitterai jamais Néo. Pour travailler dans ce domaine, il n'y a pas de meilleur endroit. Vous avez rendez-vous? Parce que sinon, ce coin est réservé. Mmh. Eh ben, quelle cordialité. Heureusement que vous n'êtes pas dans le marketing. J'ai codé un petit programme rien que pour l'occasion. Mais comme je l'ai dit à Ryujin, il faudra en payer le prix ou me rendre à service. Quel est ce service ? Si déjà vous allez fureter dans la tour, j'aimerais que vous fassiez un arrêt à un autre poste de travail au passage. Celui de Camden Shaw. Exécutez le même programme sur son ordi et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. D'accord. Quelle est l'importance ? Ça, c'est entre moi et un autre client. Mais à mon avis, si quelqu'un veut un dossier sur ce bon Camden, c'est pas pour lui préparer une fête surprise. Non. Comme vous voudrez. Parlons finance dans ce cas. Persuadé. Certainement pas. Oh là, combien? 6. Faire un prix? À Néon? Je ne crois pas, non. Je veux pas. Ça marche pas sur moi. Vous savez combien de fois j'ai entendu ça? Ça dépend de beaucoup de choses. D'accord. C'est vrai, super, ça marchait. Énormément de boulot. Allez, c'est d'accord. Pas étonnant que vous bossiez pour Ryujin. Voilà, pour 1 000 euros, 1 000 crédits. Votre mission est simple. Mettez cette petite beauté sur l'ordinateur d'Oula Ruchen et le programme s'occupera du reste. Ensuite, ramenez la tablette chez moi. Je ne sais pas quel chiffrement Oula Ruchen utilise, mais ce sera forcément difficile à craquer. Le matos que j'ai ici suffira pas. D'accord, ok. Comme quoi, l'infiltration et le baratin ne sont pas vos seules compétences. Voilà la tablette. Je vous attendrai. Bien. Allez. Bien par là. Ah, les trucs là. Une caisse. On prend
prends ça. Ah bah si, si. Allez. Ok. Bon. Bon. Donc là-bas, c'est bloqué. Designer. Il y a une porte, une entrée là. Ah ouais. Et ça c'est quoi? Pas cramé, on s'en fout. Bon. Ok. Il n'y a qu'un seul passage, c'est ici. Allez. Équipez-vous du nouveau blast. Oh merde, chier. Vous pouvez pas s'enranger. Bien essayé, mais ce bâtiment est interdit d'accès. Vous avez certainement pas pu entrer de manière légale. 6. Très bien. Ah. Si vous le dites. Écoutez, je vous fais confiance, mais si on vous surprend à un autre étage, on n'hésitera pas à tirer à vue. Ok, bon. Première chance. Ok, donc c'est par là. Bon. Bon. Là, il y a une trappe là. Je crois que c'est une trappe ça. Ouais. Ok. Panneau d'ouverture, c'est quoi ça? Couper les lumières de l'étage. Bon, on va bien voir ce que ça donne. Ah, on me dit que je dois passer là.
information ici. Ok. Allez. Bon. Par où on passe après là?
Tiens, j'ai trouvé. Poste de travail. Voilà. Donc on a du 2, 2, 2, 1, donc 3 plus 2. Soit il n'y a pas de 4, donc c'est 3 plus 2. Si je mets ça comme ça. Là, ensuite. Donc là, il peut aller que là. Ça comme ça. Ouais. Ensuite. Bon, c'est 1 plus 1 automatiquement. Et ensuite, comme ça, et celui-là. Je vais payer, ouais. Petite configuration, les employés peuvent faire nanana. Les paniers seront effectués. Livraison. Un colis de la plus haute importance qui vous appartient. Ça arrange pour vous venir le récupérer. Tomogashi, j'ai obtenu la fin en confirmation. Ne disposez pas de données pour étayer son dernier rapport. D'un mec qui a échafaudé sa propre théorie à partir des quelques observations et ce qu'il a appelé une expérience heureusement Timogène lui a tenu tête. Pas vrai, comme c'est sa troisième faute. Recommandons son licenciement. Je te laisse ce soin de lui annoncer. Camden Show. Gamme Nova, 2 dizaines de Nova Blast, 4 dizaines de Nova Light. Tablette audio de caisse, Neurotrack Mark 4. Aucun retard après avoir sur ses livraisons. Dîner. Hein. Donc là, il n'y a rien. Ah. D'accord, ça c'est du code. Bon, je me barre maintenant. Donc, comment je me tire? Allez. Ok, bon. Alors c'est quoi? Ici. Ça c'est quoi? Bon, il nulle le sac. Ok. Bon, on passe. Ici.
passe au même endroit. Ensuite ici. C'est là. On y est. Vous avez donc réussi. Il a dû laisser aller à la sécurité de Ryujin. C'est pas la modestie qui vous étouffe, hein? Enfin, j'ai vu ce que vous avez fait à la Threat Tower. Alors, je veux bien vous croire. Maintenant, redonnez-moi ce programme et voyons quelles données vous m'avez ramenées. Alors, le programme que vous avez exécuté sur l'ordinateur d'Oularu m'ouvre en quelque sorte toutes les portes. J'ai accès à absolument tout. Voyons voir ça alors. Le chiffrement des fichiers d'Oularu est sacrément complexe. Mais je finirai par le craquer. Contournement des protections. Déchiffrement, ça ne devrait plus prendre longtemps. Purée, je m'impressionne. C'est déjà fini. J'ai enregistré plusieurs fichiers sur une tablette pour Dalton, y compris un historique d'accès et tout ce qui concerne le projet de domination. J'ajoute juste un nouveau chiffrement pour qu'il soit le seul à pouvoir consulter ça. Et voilà, tout est bon. Ok. Voici une nouvelle tablette chiffrée. Croyez-moi, les temps à venir vont être intéressants pour Ryujin. Techniquement, je suis pas censé regarder, mais difficile de ne rien voir passer pendant la manipulation. Partagez ce que vous savez. Comme vous avez été réglo, disons que cette tablette ne présente pas Madame Imogen Salzo sous son meilleur. Ah, d'accord. Cela dit, n'oubliez pas que vous avez affaire à des gens sacrément doués pour falsifier les informations. Comment vous pouvez être sûr de la véracité? Je suis sûr parce que je connais mon métier. Mais comme partout, les preuves ne racontent pas toute l'histoire. C'est à Dalton et à vous de recréer l'image d'ensemble. D'accord. Ne sautez pas les étapes. Imogen a grandi dans les bas-fonds des corporations. Je suis prêt à parier qu'elle a une arrière-pensée derrière la moindre de ses actions. Voilà la tablette. Comme toujours, ravi de faire affaire avec Ryujin. Allez, on y retourne. On peut dire que vous avez réussi. J'ai eu quelques signalements, mais aucune alerte majeure. Ouais, c'était pas facile, hein. Je n'en entendais pas moins de lui. Et maintenant, voyons ce que vous me ramenez. Pensez pas que c'était possible.
mais quelqu'un consultait les fichiers d'Oula ou à distance. Une manipulation difficile à détecter. Sacrément épatant que Nix ait réussi à remonter tout ça. On tient notre coupable. Merde. Imogène Salzo, spécialiste des opérations seniors. Une des seules personnes que j'imaginais capable d'une telle manœuvre. Quel intérêt, ouais. Allez savoir. L'appât du gain, une vengeance à prendre, peut-être même par ennui. Quelqu'un doit payer un sacré paquet. Possible. Ou alors elle cherche à nuire à un membre de l'entreprise. Mais avant de prendre une décision radicale, je dois l'interroger moi-même. Allez la chercher dans son bureau et amenez-la à moi. Je dois m'entretenir avec elle avant qu'elle ait la moindre possibilité d'agir. Bien. Le problème avec les gens de la direction, c'est qu'on a du mal à savoir quand ils disent la vérité. On a 250 XP. Allez, Imogène. Je parie que vous cherchez Imogène ? Ah, elle est pas là. Ah. Comme vous l'aurez constaté, elle n'est pas là. Ce qui ne m'arrange pas, car j'ai plusieurs documents à lui faire signer. Elle s'arrange toujours pour esquiver la paperasse. Je ne vois vraiment pas en quoi ça vous regarde. Mais c'est vrai que je suis du genre à garder un œil sur mes collègues. Je peux savoir ce que vous lui voulez ? Bof, sans façon. Demander des infos à Dalton, c'est comme parler à un mur. Et puis, c'est plus amusant de spéculer. Imogène a été vue pour la dernière fois au Frankie Market, qui, comme chacun sait ici, est une couverture pour le clan Seuka. Si vous voulez la poursuivre, vous aurez besoin de l'autorisation d'un cadre. Dalton approuverait à coup sûr. Bonne idée. Il serait furax si vous passiez pas par lui. J'aimerais pas voir ça. Quoique si, ce serait amusant. Tout pour casser la routine, pas vrai? Bonne chance pour vos recherches. Ah, et si vous mettez la main sur Imogène, dites-lui bien que c'est moi qui vous ai dit où la trouver. D'accord. Alors, on va aller reparler à Dalton. Imogène n'est pas avec vous. Elle nous aurait déjà devancé. Yuko est au courant, évidemment. Si Imogène s'est réfugiée chez les Seoka, je ne peux pas vous envoyer à sa poursuite. Vous devez d'abord en parler à Benjamin Bayou. Il est impératif qu'il soit au courant de la situation. Avec un peu de chance, peut-être même qu'il nous aidera à coincer Imogène. Très bien. Parce que sans ça, ce sera une affaire bien trop délicate. Rendez-vous à la Trade Tower. Et faites preuve de discrétion. Dites à Bayou que vous venez de la part de Ryujin. Possible qu'il exige des crédits ou une faveur en retour. Le plus tôt sera le mieux. Évitons de laisser trop de marge de manœuvre à une femme aussi intelligente qu'elle. Le principal, c'est que vous la rameniez en vie. Si elle est réellement notre taupe, elle aura beaucoup d'explications à fournir. Si elle résiste ou tente de s'enfuir, nous devrons considérer ça comme un aveu de culpabilité. D'accord. Et vous n'aurez alors d'autre choix que de l'éliminer. Ce genre d'affaire doit se régler en interne. D'accord, en interne. Les informations dont il est question sont trop sensibles pour être confiées à la police. Et ils sont trop laxistes. Niveau sécurité. Les détails ne tarderaient pas à être communiqués à la presse ou vendus à un autre de nos concurrents. Imogène serait capable de causer de sérieux préjudices à notre entreprise, avec ses connaissances. Elle connaît les conséquences d'une trahison, ce qui la rend dangereuse. Si la situation venait à empirer, je vous demanderais uniquement de chercher de potentielles preuves qu'elle aurait en sa possession.
J'ose espérer que votre relation avec elle ne biaisera pas votre jugement. Alors, parler à Benjamin Bayou, l'option. Les gens qui viennent me voir veulent juste un autographe ou une photo. Et après avoir modé toute la nuit, ça devient vraiment fatigant. Ouais, t'as raison. Désolée. Je suis juste un peu déprimée en ce moment. Ma tablette de musique a disparu. Elle s'est évaporée. Oh merde, j'ai retrouvé ça. Et quelqu'un m'a arnaqué. La poisse totale. Nouvelle quête. Ce serait tellement cool. Oui, s'il te plaît. Je me disais bien que tu dégageais une aura de bonté quand t'as débarqué ici. Exactement. Donc tout ce que tu feras pour m'aider sera grandement apprécié. Ah, et si tu cherches une piste, parle à Maïka. Elle travaille au bar L'Euphorica. C'est un service de renseignement à elle toute seule. Enfin bref. Je dois plancher sur les modifications de mon prochain set. On se capte plus tard ? D'accord. Qui c'est qui aurait pu prendre notre tablette? Eh bien, la plupart des gens qui viennent ici sont des fans. Et ils sont soit zonés, soit en train de s'ambiancer. Ça nous laisse les collectionneurs, les concurrents, ou un voleur qui veut se faire une répute. Ça peut être n'importe qui. Les gens veulent toujours mettre un prix sur tout. Que ce soit la musique ou les étoiles. Quand le tarif est suffisamment élevé, on commence à attirer des gens aux ondes négatives et dotés de longs couteaux. C'est qu'une question de temps avant que tu te fasses couper. D'accord. J'espère que ça te plaît. Je me rappelle pas avoir demandé qui que ce soit. Que voulez-vous ? Ah, j'ai toujours le temps pour un vieil ami. Et pour quelle raison ? Je considère Ryujin comme des alliés. Mais Dalton sait mieux que tout le monde que je ne donne rien sans rien. Tant que les membres du clan Seoka ne sont pas directement impliqués, voilà ce qu'on va faire. Je vais dire au clan Seoka de vous laisser passer, à condition que vous fassiez un petit quelque chose pour moi. Et quel serait ce bénéfice mutuel ? Ah, il n'y a que 4. J'ai déjà toute l'influence dont je pourrais avoir besoin ici. Ça marche pas non plus. Je n'ai rien à gagner non plus. Mais plus important encore, ce qui est bon pour moi est bon pour Ryujin. Assez. Vos tentatives de persuasion ne m'amusent plus. Si vous voulez vous rendre sur le territoire du clan Seoka avec ma bénédiction, vous me rendrez ce service. Bon, d'accord. Excellent. L'une des chefs du clan Seoka, Kumio, possède une tablette contenant des informations que je préférerais voir entre mes mains. Promettez de me l'apporter et nous avons un accord. D'accord. On dirait que Ryujin a trouvé la perle rare. Allez voir Madame Moore chez Frankie. Je la préviendrai de votre arrivée pour qu'elle ne vous crée pas d'ennui. Je préfère vous prévenir. Le clan Seoka vous laissera chercher les parties communes. Mais si Kumio vous surprend en train de fouiller dans ses quartiers privés, disons que vous devriez vous préparer à une certaine hostilité.
Oh, ok. Bon, on va reprendre Sarah. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, prévenez-moi. Très bien, allons-y. Alors, Franky. Je peux t'aider ? Cela de la part de Ryujin. C'est vous qui avez droit au traitement de faveur ? Je savais que vous étiez pas comme les autres. J'ai une règle pour vous. Ça devrait pas être trop compliqué de s'en souvenir. Le troisième étage est hors limite. S'ils vous surprennent en train de fouiner, ils tireront à vue. Ça, c'est ce que je veux entendre. Que les choses soient claires, je vous donne l'accès seulement parce que j'en ai reçu l'ordre. La jeune fille que vous recherchez, elle s'est réfugiée tête baissée dans une pièce. Concentrez-vous sur votre objectif. Moins vous ferez comme chez vous, mieux ce sera. Ok, bon. Ah, c'est là en fait, d'accord. Oui. Voilà, baron du clan Seoku. Ça peut être où? Ah, c'est ici. Arrêtez, vous n'avez pas le droit d'être à cet étage. On a peut-être fait affaire par le passé, mais ça fait pas de nous des amis. Barrez-vous. Si je vous revois ici, je vous mets une balle dans la tête. Ok. Tu vas mourir. Bon. Continuez sans moi. Courez! Moi, oh.
Non. Kumio. Passe. Oh. Bon. Réalistique, Mac-Shotty. La tablette. Coffre. Allez, on continue. Trouver Imogen maintenant. Maelstrom de 4, pas intéressant. Un micro-gun, non, je m'en fous. Bon. Oh là là, maître. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc avec que celui-là, mais normalement faut en mettre deux. Donc ça peut pas être celui-là. Donc je dirais plutôt celui-là. Plus un. Hein. Voilà, ensuite 3 plus 2 plus 1. Donc là 3, 5, 8, hein, donc 4 plus 4. Alors par contre, dans quel sens? Donc là ça irait. Donc il y aurait ça qui fonctionnerait là. Non, celui-là non. Donc il y aurait ça comme ça. 4 plus 4.
Ah, c'est pas évident. Est-ce que je mets comme ça? Donc on mettrait celui-là. Et celui-là non. Compliqué là. Donc là il va pas. Donc il n'y a que celui-là qui pourra aller là. Ça comme ça. Et ensuite 3, 4, 5. 8, 4 plus 4 encore. Donc ça comme ça. Si je mets ça comme ça et celui-là, c'est bon. Oh, des caches de contrebande ici. Bon bah, ça m'intéresse pas. Allez, on continue. J'arrive pas à le toucher d'ici. Victor Varun. Il y a rien ici. Tout le tri plus tard. D'entendre des choses.
plus. Bon, ça fait des visseuses, on s'en fout. Ça c'est bon. Je vais me faire la peau. J'ai les yeux qui piquent. Voilà, allez. Il y a quoi dedans? Donc c'est les deux du milieu. Comme ça. Et ensuite, alors. Non, donc, comme ça. Et comme ça. Merci d'examiner. Allez, on y va. Allons chercher Imogène. Encore un mec. Il doit être en dessous. C'est légèrement excessif, vous trouvez pas? Attendez une seconde. Laissez-moi au moins une chance de m'expliquer. Ouais, alors dis-moi quoi. Je me doutais bien que c'est vous qu'ils enverraient sur ma piste. Je sais que ça se présente mal pour moi, mais j'avais pas le choix. C'est un coup monté par Oularu. Oui, je suis agent double, mais sur ses ordres à elle. Je semais la confusion pour son compte, je n'avais rien à y gagner. En plus, je suis pas assez haut placé pour avoir accès au projet Domination. Je serais incapable de le faire fuiter. Du moins, intentionnellement. Intentionnellement. Si j'ai connaissance du projet Domination, c'est uniquement parce que je voulais savoir ce qu'on m'accusait d'avoir vendu. Mais cette technologie, c'est dangereux. Un neuroforceur interne théoriquement capable de contrôler les gens? Si les preuves me désignent, c'est parce qu'Oularu s'est arrangé pour. Quel meilleur moyen de piéger quelqu'un que de prendre le contrôle de son esprit pour lui faire faire des actes incriminants? L'existence d'un appareil pouvant contrôler d'autres esprits est terrifiante. Imaginez les horreurs que... Non, je préfère pas y penser. Qu'est-ce qu'un immobile? Le pouvoir, naturellement. Les corporations cherchent à maximiser leurs profits par tous les moyens. Mais Masako est réticente à prendre certaines mesures. Vous aurez peut-être remarqué qu'aucune de vos missions n'impliquait directement un assassinat. Masako ne s'y résout qu'en tout dernier recours. Du point de vue d'Oularu, il s'agit d'un signe de faiblesse qui nécessite une intervention. Pourquoi est-ce qu'elle vous aurait piégé? Parce que je suis la cible la plus crédible.
Je suis la seule, chérie Eugene, à disposer des compétences nécessaires pour réussir un tel coup. C'est le seul scénario possible. Et puis, quel serait mon mobile? J'ai une carrière en béton, chérie Eugene. Infinity pourrait jamais me proposer mieux. Croyez-moi, après avoir joué l'agent double, j'en sais quelque chose. Gardez vos explications pour Dalton. J'ai besoin de vous pour ça. Je suis pas venue me planquer ici. J'avais besoin des ressources des COK pour préparer ma défense. Ularu est douée et très intelligente. Mais elle a passé beaucoup d'années derrière un bureau. Je savais que quelque chose lui échapperait. Cette tablette contient toutes les preuves l'incriminant. Vous n'avez qu'à la porter à Dalton. C'est l'unique moyen de prouver mon innocence. D'accord. Hors de question. Dès l'instant où j'aurai passé la porte, Dalton va m'enfermer et Ularu sera alertée. Si vous êtes innocente... Vous connaissez vraiment rien au monde des grandes entreprises. Si je reviens à Ryujin, Ularu cherchera à faire disparaître toutes les preuves. Donc c'est soit rester ici et traiter avec vous, soit rentrer et l'affronter elle. C'est pourquoi j'espérais que vous apporteriez ces preuves à Dalton. Bon. Ah merde, je fais con là. Évidemment. Écoutez, si vous apportez cette tablette à Dalton, je suis certaine qu'il comprendra. Mais si vous m'embarquez, tout sera foutu. À vous de choisir. Vous voulez la vérité? Ou simplement le titre d'employé du mois? Bon, d'accord. Bon, c'est ce que j'espérais. Mais je vais quand même rester planqué le temps que ça se passe. Tant que Ularu croit que je suis en cavale, elle pensera que son plan fonctionne. Et puis... merci. Je sais que vous n'entendez pas souvent ce mot au bureau. Ularu est donc la vraie coupable. Ok, bon. Ça complique un peu les choses. Ouais, un peu coffre, là. C'est très prudemment. Du ciel, laissez tomber ces trucs inutiles. Mais non, c'est pas inutile. Hein. Bon, on va faire du tri. Bon, ça, je peux le jeter. Les wolves de 40, je peux le jeter. Le disrupteur, je le jette. L'équinoxe de 14, je le jette. Bon, ça, je le jette aussi. Le grandole de 3, je le jette. Le législateur aussi. Le tantôt, je le vire. Le AA99. Ok. 14, je le vire. Je le vire. Le législateur 117, je le vire. Ah, Max Plus à 190. Max Shot à 157. Micro Gun, je le vire. Le tambour, je le vire. Le Kraken 6, on s'en fout. L'Orient 47. Max Pulse à 70. J'en ai un de 190, je vais le garder. Un Max Shot à 181. Donc ça y est, moins bon. On va garder le Max Plus ici.
Voilà, allez, on débarrasse de tout ça. Merde, elle est où? Ah, il y a un grunt là. Hop, on prend. Maelstrom 9, on s'en fout. Tiens, voilà ta tablette. Ah, la nouvelle recrue de Ryujin. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Je l'ai toujours dit, ce qu'il y a de bien avec Ryujin, c'est qu'il ne déçoit jamais. Ce n'est pas toujours sans bavure, mais le résultat final est toujours positif. Tout le plaisir était pour moi. Dites à Dalton que j'espère qu'il me tiendra au courant si votre petite histoire devait avoir une influence sur mes affaires. Ok, je suis bon. Que ce soit terminé. Je ne veux pas rester très longtemps en présence de cette. Allez, on retourne voir à la tour, Ryujin. Regardez qui revoilà. Alors dites-moi, qu'avez-vous trouvé? Vous poserez la question à Dalton une fois mon rapport fait. Oh, j'étais sûre que vous alliez dire ça. Amusez-vous bien avec Dalton. Ça finira par me revenir tôt ou tard. Voilà. Bien curieuse, toi. C'est assez suspect, d'ailleurs. Cette réunion pourrait être... Vous êtes de retour? Et Imogen? Donc vous l'avez trouvé, mais vous ne l'avez pas amené. J'attends votre explication. Vous ne pouvez pas garantir sa véracité, mais vous pouvez utiliser votre intuition. Cette preuve complique la situation si elle incrimine Uluru. Il va me falloir du temps pour l'analyser, parce que si celle-ci est légitime, nous ne pourrons l'accuser qu'avec une certitude absolue. Vous pensez bien que si Imogen avait menti, elle aurait disparu depuis longtemps. Je dois maintenant m'atteler à la tâche laborieuse de rédiger un rapport. En attendant, Masako a requis votre présence en R&D. Elle vous demande de la retrouver dans le bureau de Vida Kalra. Bien. Bon, je vous laisse vous occuper de cette histoire de taupe. C'est pas que ça m'amuse. Mais je ne confierai ces rapports à personne d'autre. 4800 crédits et 3 kits de soins. Alors, R&D. J'ai besoin de cette roticide, si nous voulons terminer le neuroforceur. Vous voilà, bien. Il est temps de mettre en place un plan pour reprendre le contrôle avec Infinity LPD. En temps venu, nous ignorons où en est actuellement Infinity dans ses plans de neuroforceur. Alors notre priorité est de finaliser le nôtre. Laissez-moi vous présenter Vina Kalra, directrice en recherche et développement. Elle vous donnera tous les détails. Oui, les détails. Voyez-vous, le neuroforceur interne est constitué de deux parties. D'accord. La première, celle qu'a volée Infinity, traite les effets de manipulation. La seconde est une modification protectrice, conçue pour protéger l'utilisateur contre d'autres utilisateurs de neuroforceurs. Ah, ça oui. Le marketing et les finances ne l'auraient pas commercialisé autrement. Personne ne veut voir son plus gros atout retourner contre lui. Quand Vina aura terminé le mode de protection et le neuroforceur interne, le plan consiste à vous en équiper pour infiltrer Infinity LTD. Nous ne risquerons pas la mission sans protéger suffisamment votre esprit. Je pense qu'implanter ce dispositif dans votre crâne était une erreur. Mais c'est votre choix. J'aime mon cerveau naturel. Y
bien. Je suis ravie que vous saisissiez cette occasion. Et j'aime les sujets qui sont volontaires. Il ne reste plus qu'à trouver l'ingrédient clé. La dernière étape pour les deux produits consistait à trouver un matériau conducteur compatible que le corps ne rejetterait pas. J'ai fini par créer l'alliage parfait. Mais celui-ci intègre un élément raffiné découvert depuis peu, appelé la roticite. C'est là que j'interviens. Nous avons un contrat confidentiel avec Consolidated Mining pour extraire, raffiner et nous envoyer directement la roticite. Leur dernière livraison est en retard. Et ni Consolidated Mining ni nous n'avons pu communiquer avec la station carinée. C'est exact. Jusqu'à maintenant, nous étions régulièrement informés. Dernière nouvelle, la cargaison était en avance. Nous devons nous y rendre, sécuriser la cargaison et la rapporter pour que Vina puisse terminer son prototype. Et je tiens à savoir ce qui s'est passé. Nous devons prendre toutes les mesures de sécurité pour nous assurer que ça ne se reproduise pas. Je détrouverai ce qui est arrivé, sécuriserai la cargaison. La station d'extraction s'appelle CM Station RC1. Elle se trouve sur la lune carinée 3A, dans le système cariné. La cargaison devrait être dans la tour de recherche et de commande, mais les portes extérieures sont verrouillées. Cette carte devrait vous permettre d'entrer dans les mines, afin d'accéder à la tour depuis l'intérieur. Bonne chance. Ok. Ne vous inquiétez pas. Nous trouverons un moyen de récupérer. J'ai mal à la tête. C'est l'air recyclé du vaisseau, ça fait toujours ça. Alors, il y a la station. Atterrissage initié. Ça va mal, le sort. Bon, alors. C'est ça, c'est ici. Du 42 niveau. Bon, alors. Tu as terre. J'ai un visuel sur la cible. Bon. Fais
même grand d'elle. 14, on s'en fout. Ensuite, ah ok, et où est-ce qu'il s'est passé? D'accord. Spécialiste de l'éclipse là-bas. Ah ah, il doit être derrière. En fait, il y a... Mission. Associez-moi. Cache de contrebande. C'était nul.
Le Mac Pulse 190. On fera le tri après. Kit de soins. Négociateur. Non. Un peu plus complexe. Je dois laisser tranquille. C'est cool, on y va. On se concentre.
Et bon. Regardez s'il y a des armes ou des munitions. Ok. Du monde là. Ok, en bas il y a pas mal de trucs. J'avais jamais eu l'occasion d'en voir un en vrai. Y a rien de plus. Putain la vache. Bientôt.
Il va bien savoir ce que c'est que son arme là. Elle déchire. Ah mais putain, recharge! Dès qu'il y a une action, ça y est, ça empêche le rechargement. C'est ça qui est chiant. C'est pareil. Alors, contrat. Il y avait quelque chose de valeur. C'était un oh oh. On s'en fout. Alors lui, kit de soins. Ça compte trop. Il m'intéresse pas. Alors, 49. Bon. Putain, il faisait mal avec son arme, lui. Alors, pâte antibiotique, ça on va prendre. Et ça c'est quoi? Ah, est nul. Mais quoi est-ce qui s'est passé? Ouais, donc attends, faut que je lise le contrat, ils m'ont dit. Infinity, LTD Lucas Drexler. Cargaison de rôtissier d'origine. Acquérir la cargaison à préparer pour rediriger la cargaison vers la clinique. Kendrick Lane, système d'Arion. D'accord. Donc c'est un truc avec le. Avec la clinique. Ok. Là, l'ordinateur de la station. Entre Eugene. Nous allons envoyer un représentant pour chercher la cargaison, d'autant qu'elle soit prête au moment où il arrivera. Je ne dirai pas pourquoi elle sera en retard. Je vais mettre en évaluation de la situation. C'est une bonne nouvelle. Peut-être que nous aurons de la chance que Eugene sera de vous anticiper. À toute personne se trouvant dans le système Karina, nous sommes attaqués et avons besoin d'aide de toute urgence. La clinique livrée. Rôtissé d'1,5 kg. Annulé pour, bien sûr. Et Kendrick Lane. L'instigateur ici. De ce détournement. Voilà une belle caisse là. Il
On prend les cartouches. Il y a une énorme différence entre se tenir prêt et transporter trop de choses. Oh, les crédits stick. 213, 225 et 530. Bon bah c'est bon, on peut y aller. On explorera bien sûr cette planète un autre jour. Ah ouais, j'ai un point de... je vais mettre dans vol. Voilà. Pour faire les poches, parce que j'ai pas encore ça, je peux pas encore voler sur les personnes. Bon bah du coup, on va cesser là-dessus, les amis. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour atteindre mes vidéos. Et on se donne rendez-vous donc demain pour continuer cette quête. Et d'ici là, portez-vous bien, mes amis, bien, prenez soin de vous, de vos proches. Allez, ciao, ciao.